Écoutez, ça fait plaisir de voir une assistance importante. Ça fait plaisir de reparler encore de mes traits. Pardon à ceux qui ont peut-être, j'avais des voisins de table comme ça tout à l'heure, qui ont assisté à une conférence la semaine dernière, qui connaissent peut-être un peu le sujet. Je le présente en le combinant. Pourquoi ? Parce que quand j'ai travaillé pour écrire ce livre sur l'histoire de la colonie, une fois que j'ai eu fini, je me suis dit, mes traits c'était les garçons. Qu'est-ce qu'on faisait pour les filles en Touraine à cette époque-là? Mes traits, je le disais tout à l'heure, on s'en souvient un petit peu, ou du moins certains s'en souviennent un petit peu en Touraine, et souvent s'en souviennent mal, j'y reviendrai. Mais alors, les filles en Touraine, là, personne ne connaissait. J'ai rencontré un archiviste qui connaissait l'histoire du procès du refuge, et rencontré un franc-maçon, vous comprendrez pourquoi, qui connaissait l'histoire du refuge, et c'est à peu près tout. Il m'est apparu intéressant de ressusciter cette histoire. Je signale tout de suite, alors j'ai écrit du coup un livre sur l'histoire de la colonne, sur l'histoire pardon, du refuge, on va en parler, et en écrivant ce livre et en recherchant aux archives tout ce qu'on pouvait trouver sur ce procès, je me suis rendu compte que chaque témoin, chaque plaignante, vous savez, c'est toujours comme ça, il faut qu'il y en ait une qui se décide un jour à déposer une plainte, et puis ensuite c'est un chapelet, ça suit le mouvement. Donc il y en a une dizaine, une quinzaine, une vingtaine, et toutes disaient au juge d'instruction, « Oh ben oui, mais il y avait la petite bordelaise, et elle en a bavé. » Et donc le juge d'instruction a identifié la petite bordelaise, qui était une orpheline, qui était effectivement originaire de Bordeaux, orpheline aux hospices de la Gironde, qui avait une quinzaine d'années quand elle est arrivée au refuge, placée, qui en est sortie 6 ans plus tard parce qu'elle était majeure et encore dans les conditions que je vous rappellerai dans tout à l'heure, et qui avait une particularité quand même assez exceptionnelle, c'est d'avoir une jambe de bois. À l'adolescence, en 1900, je pense que c'était pas forcément facile à vivre. Or, je me suis dit, un livre historique, c'est très intéressant, mais c'est froid. On n'y met pas de sentiments dans un livre historique, on raconte quelque chose historiquement. Et là, je voudrais essayer de me mettre dans la peau de cette gamine, de cette adolescente, pour faire vivre avec tous les sentiments qu'on peut imaginer qu'elle avait, son histoire. Donc ça a donné un deuxième livre qui s'appelle Angèle J, qui était son nom, donc qui est un personnage réel, mais qui est un roman parce que je savais un certain nombre de choses par mes recherches historiques, donc je les utilise, mais ce que je ne sais pas, ben je l'invente, puisque c'est un roman. Donc voilà. Voilà, en gros, comment j'aboutis à mauvais garçon, à méchant garçon, mauvaise fille, ou l'inverse, peu importe d'ailleurs. Donc ça revient à se pencher un petit peu sur cette histoire de la jeunesse difficultueuse à l'époque, principalement en Touraine, mais je crois qu'il est intéressant, c'est, je ne suis pas historien. Moi j'étais avocat, je suis devenu un petit peu écrivain, j'ai romancié, c'est un peu comme ça que j'ai commencé, j'ai aussi un roman sur l'histoire du bagne de Guyane qui m'a passionné, mais je ne suis pas tout à fait historien, mais j'ai appris une chose à fouiner dans les archives, à remonter dans le temps, c'est qu'il fallait surtout, et ça va nous servir aujourd'hui, s'abstenir de porter un jugement avec nos esprits d'aujourd'hui sur ce qui s'est passé il y a un siècle. Ça s'appelle un jugement anachronique, d'ailleurs, et c'est une erreur fondamentale, on le verra. Mais il est intéressant de remonter plus loin, de remonter même très loin pour essayer de se rendre compte de la conception qu'on pouvait avoir de l'enfant, de l'enfance en général. Je ne parle pas d'adolescence, l'adolescence est venue beaucoup plus tard, au XXe siècle. Avant, on ne connaissait pas, on n'avait pas identifié cette période très particulière qui était l'adolescence. Mais si vous lisez Platon, vous voyez qu'on remonte quand même très loin. Que dit Platon en ce qui concerne l'enfant? L'enfant est une bête rusée, astucieuse, la plus insolente de toutes. Aussi doit-on la lier de multiples brides. Quand même révélateur d'un état d'esprit de l'époque par rapport à l'enfant. Et puis en remontant très rapidement dans le temps, mais enfin on n'est pas encore aujourd'hui, on arrive à Kant,
par exemple ce philosophe. Et Kant nous dit, l'enfant arrive au monde à l'état sauvage. Seule la discipline peut le faire passer de l'état d'animal à celui d'homme. Donc ça donne tout de suite une idée de l'approche qu'on a sur l'enfant. Et ça va être, alors je reviens à une période un peu plus proche de nous, 18e, même 19e, on a une situation, on va commencer par, au 18e notamment, se préoccuper des enfants difficiles. Alors, les enfants difficiles, les enfants de la rue, si j'ose dire, on s'en fiche un peu. Ils partent en prison, point à la ligne, les délinquants mineurs. Mais il y a aussi des gosses de riches. On verra dans Maitrec, les gosses de riches, on va s'en préoccuper aussi. Mais déjà avant, au 18e, il va y avoir une expérience qui n'est pas inintéressante, où on va envoyer les enfants de riches, les familles vont les envoyer à l'île de la Désirade, aux Antilles. Et là, on va les faire travailler la terre, vivre dans des huttes d'une manière relativement simple et essayer de se rééduquer par la terre. C'est intéressant parce qu'on a déjà les prémices de toute une idée de Maitrey, la rééducation par le travail de la terre. À l'époque, le travail de la terre, l'agriculture, n'était pas du tout ce qu'elle est aujourd'hui, bien évidemment. Bon, ça durera quelques années, puis ça ne va pas avoir de suite. Ce qui est intéressant pour expliquer l'arrivée, là je traite l'origine, pour expliquer l'arrivée des colonies agricoles et pénitentiaires, c'est de se pencher sur la France du 19e siècle sur le plan social. Enfin, on est en pleine période de début d'industrialisation qui va déboucher sur un exode rural qui commence, des gens qui partent, et notamment des jeunes qui partent vers les grandes villes, Paris principalement, et qui vont constituer toute une faune à ce moment-là, de gamins qui vont être déçus de ce qu'ils vont trouver, qui vont traîner les rues, qui vont se constituer en bandes. On a tout un tas de bandes célèbres à l'époque, et qui vont devenir un peu des petits délinquants pour se débrouiller. On va quand même, en 1849, incarcérer 12 000 enfants. Donc le seul remède qu'on a trouvé à cette époque, c'est la prison. Le problème, c'est qu'on n'a pas de quartier de mineurs. On n'a pas encore inventé le juge des enfants, ça viendra en 1912. On n'a pas inventé le juge des enfants et on colle les gamins délinquants à n'importe quel âge, dans les prisons mélangées aux majeurs, dans des conditions, imaginez un tout petit peu les prisons de l'époque, de perversion et d'insalubrité. C'est bon pour tous, sauf pour leur rééducation, bien évidemment, ça va les pervertir. Alors, on va inventer à cette époque-là, au milieu du 19e siècle, une prison pour mineurs, la petite Roquette. La petite Roquette qui deviendra un certain nombre d'années plus tard une prison pour femmes, mais là c'est une prison pour mineurs. Alors vous voyez, c'est construit selon ce qu'on appelle le système panoptique, c'est-à-dire que du centre de cette colonne, de ce bâtiment central, les gardiens peuvent surveiller tous les couloirs qui partent sur les côtés. Il est d'ailleurs intéressant de noter que au sommet de ce bâtiment central se trouve la chapelle. Et alors le système dans lequel on fait vivre les mineurs, il y a des gamins qui ont 9 ans, qui ont 10 ans, hein, très jeunes à la petite Roquette, c'est un système qu'on appelle philadelphien, on voit d'où ça vient, qui consiste à un isolement de jour et de nuit, complet. Pour une raison simple, aujourd'hui, ça nous paraît une monstruosité, et déjà à l'époque, c'est très vite apparu à beaucoup une monstruosité. Victor Hugo a dit, en voyant la petite Roquette, c'est une foule peuplée d'une multitude de petites solitudes. Les gamins ne voient jamais qui que ce soit d'autre. Ils sont isolés la nuit, ils sont isolés à l'extérieur dans une minuscule cour de promenade individuelle. Dans la chapelle, c'est impressionnant, c'est un peu comme une ruche. Il y a des petites alvéoles dans lesquelles ils s'insèrent et d'où ils ne voient personne. Mais on considère que cette solitude imposée est absolument indispensable pour leur rédemption, leur réflexion. Donc ça part aussi d'un sentiment réfléchi
Bon. Cela dit, il y a un autre système à l'époque qui s'appelle le système auburnien, qui vient de New York, et qui est, semble-t-il, un peu moins dur, puisqu'on est dans la solitude la nuit, mais on est dans un travail collectif la journée, ce qui est un petit peu moins dur. Alors la petite roquette, elle va soulever assez rapidement l'indignation. Je parlais de Victor Hugo, il y a l'impératrice Eugénie de Montijo qui va visiter un jour la petite roquette et qui va dire c'est monstrueux, on peut pas continuer comme ça. Bon, donc la petite roquette va disparaître, j'essaye de la faire disparaître, voilà. Et j'arrive directement à, d'abord, on est toujours dans le premier chapitre qui est l'origine. Et dans chaque chapitre, je ferai la colonie et je ferai le refuge pour voir les évolutions, les points de ressemblance et les points de dissemblance. Alors, la colonie agricole et pénitentiaire, ce n'est pas la colonie pénitentiaire agricole. On a voulu, et ce n'est pas innocent, mettre en priorité le mot agricole. Vous avez à droite Frédéric Auguste de Metz, qui est le fondateur de la colonie, qui a l'idée, qui est un homme qui est au milieu de sa vie, qui a une vie brillante, il a été avocat, il est devenu magistrat, il est magistrat à la Cour impériale de Paris, il a une très belle situation, un très bel avenir devant lui, il s'émeut de la situation des gamins qu'il voit, des gamins délinquants qu'il voit dans les prisons, et il va tout abandonner, toute sa carrière, pour se consacrer à cette colonie qu'il va créer. Il va retrouver un ami de collège, un ancien ami de collège, qui est à gauche ici, qui est Louis Herman de Bretignières de Courteil, qui a fait une carrière plutôt militaire, mais qui est extrêmement intéressé lui aussi par le sort des enfants délinquants, qui a écrit un traité sur ce thème, et qui a surtout un très gros avantage, aux yeux de Demetz, entre autres, c'est d'être propriétaire de 700 hectares à Maitrey. De même, ce n'est pas Tourangeau du tout. Alors, ils vont s'associer et créer cette colonie agricole et pénitentiaire. Il faut savoir une chose, c'est que De même, c'est un homme... Ouais, petite parenthèse, j'ai beaucoup de plaisir à parler de De même. Personne ne connaît De même. C'est un humaniste extraordinaire du milieu du 19e siècle, complètement oublié, qui a des idées, on va le voir, absolument géniales, intelligentes, brillantes. On ne disait pas humaniste d'ailleurs, on disait philanthrope à l'époque, c'était le mot, il y avait des sociétés philanthropiques, mais c'était de l'humanisme si vous voulez. Il aura qu'un seul défaut, c'est qu'il est en avance à peu près d'un siècle sur son temps et sur les idées de son temps. Donc comme c'est arrivé de temps en temps dans certains domaines, après lui ça va rechuter, retomber dans l'obscurantisme, et on refera renaître, on va le voir, ses idées 80 ans plus tard. Mais De Metz, j'ai beaucoup de plaisir à le sortir de l'oubli, parce que c'est un homme intelligent, généreux, très complet, ayant un sens aigu de ce qu'on appelle aujourd'hui la communication et les relations publiques. Il sait une chose d'entrée de jeu, c'est qu'il aura un ennemi dans cette entreprise. Et cet ennemi, c'est l'administration pénitentiaire. Parce que ce qu'il envisage de créer, c'est pas une prison, c'est un centre de... appelons ça redressement, qui sera sans mur, sans barbelé, sans barreaux. On sort des gamins de prison, il va aller chercher les premiers à Fontevraud, on sort des gamins qui sont embastillés, et on les met dans un établissement libre, ouvert. Donc ça, l'administration pénitentiaire ne le supporte pas. En plus, la société qui va être créée par De Metz s'appelle la société La Paternelle, c'est un nom de l'époque qui aujourd'hui sonne beaucoup moins bien, évidemment, mais qui à l'époque était importante. Et cette société, La Paternelle, est une société privée. Ce n'est pas du tout une société publique. La colonie agricole et pénitentiaire est une société privée. Mais De Metz est intelligent, il a beaucoup de relations, et il va embarquer dans cette aventure une cinquantaine de fondateurs. Il y aura Alexis de Tocqueville, il y aura Alphonse de Lamartine, bon, des gens un petit peu connus quand même. Il y aura le baron de Lesserre, qui est extrêmement intéressant parce que financièrement, il est là, c'est important. Et puis il va faire nommer comme premier président de cette société
Adrien Gasparin, qui est quand même un ancien ministre de l'Intérieur. Bon, donc, dès le départ, l'administration pénitentiaire, elle a rien à dire. C'est important de le savoir parce que ça expliquera, on verra pourquoi ensuite, dans un deuxième temps, ça va décliner, notamment quand de Metz va disparaître. On est en 1839. 1839, création de la colonie agricole et pénitentiaire. Alors, autre preuve de son intelligence, avant de créer cette idée qu'il a en lui-même, de Metz va voyager. Il va aller pendant 2 ans voir un peu partout ailleurs dans le monde ce qui se pratique en Europe et jusqu'aux Amériques, où il va aller voir, où là-bas on a un système plutôt à l'anglaise qui est assez sévère, effectivement. Et il va trouver dans toutes ses pérégrinations un modèle qui va l'inspirer beaucoup, qui est la colonie de Horn en Prusse, et où il va trouver cette idée de famille, de répartition par maison et par famille, et de travail de la terre pour arriver à une rédemption du mauvais garçon. Donc ça va l'inspirer, il va créer ça. Mais il ne va pas créer ça n'importe comment. Il va faire appel à un architecte, parce qu'il n'y a rien. Il y a 700 hectares, il y a des fermes, d'accord, mais il n'y a rien de ce qu'il y a aujourd'hui. Et il va chercher, pas n'importe qui, il va chercher un architecte qui s'appelle Abel Blouet, qui est Grand Prix de Rome, qui est un des architectes de l'Arc de Triomphe à Paris, qui va ensuite d'ailleurs se spécialiser dans l'architecture pénitentiaire, carcérale, et qui va créer ce qu'on appelle le village des jeunes, aujourd'hui, c'est un peu la terminologie, à Maitrey, avec, on va le voir tout à l'heure, avec la chapelle, avec les maisons, avec les bâtiments administratifs, avec les ateliers, un véritable village. Voilà. Ça, c'est l'origine de Maitrey. On passe au refuge. Le refuge, voilà, Jean Eudes. Jean Eudes, 1641, donc on remonte loin. L'origine du refuge, des refuges à l'époque, dans l'idée de Jean Eudes, c'est de rattraper les femmes qui sont parties dans les mauvaises vies. Prostitution, pour entendre les choses. Donc les femmes perdues, entre guillemets, il faut s'en occuper, il faut les remettre dans le droit chemin. Donc c'est cette philosophie qui préside au départ. Tomber dans l'impureté, voilà le terme exact de l'époque. Et donc il va créer les eudistes, c'est quelqu'un, Jean-Eudes, qui sera sanctifié, qui ne va pas être au départ très bien accepté par Rome, mais qui va être sanctifié par la suite. Et on va créer à l'époque, en 1643, le couvent de la rue Georges-Courteline, qui était la rue de la Riche, ça s'appelait la rue de la Riche à l'époque, qui nous intéresse, où les sœurs de l'Annonciade vont s'installer. 1816, une ordonnance royale va les autoriser à recevoir des orphelines et des filles en danger moral. Il y aura même entre 1850 et 1885, mais juste pendant cette période-là, des filles délinquantes, mais c'est tout, autrement ce ne sont que des filles abandonnées, orphelines et perdues. Et on va avoir alors la photo 5, voilà, les personnalités qui vont s'illustrer dans ce couvent. La première, elle va s'illustrer dans le bien, c'est celle-ci. Mère Marie de Sainte-Euphrasie Pelletier, qui sera également canonisée, sanctifiée, et qui va être à l'origine, alors qui va diriger cette congrégation. Elle est née en 1796, et elle va fonder la congrégation Notre-Dame de la Charité du Bon Pasteur d'Angers. Donc le Bon Pasteur, c'est un nom qui sonne à l'oreille, et à Tours, c'est Notre-Dame, les Sœurs Notre-Dame de Charité. Et en 1854, on a 53 monastères, 24 à l'étranger. Le Bon Pasteur a rayonné, et aujourd'hui encore, dans le monde entier. Et tout ce que je vais dire, je le dis à la fin de mon livre, dans un dernier paragraphe, tout ce que je vais dire de très vilain sur certaines, et notamment une religieuse de ce couvent, n'entame pas le bien qu'ont pu faire tous les autres.
faut être très objectif tout de même. Donc elle sera supérieure du refuge en 1825 et elle sera canonisée en 1940. Et puis vous avez l'autre qui s'est illustré dans ce refuge. Eh merde, je ne l'ai pas. Ben oui, je ne l'ai pas parce que je n'ai pas de photo d'elle. J'en parle parce que c'est un personnage important. D'abord parce qu'elle a un nom assez extraordinaire. Elle s'appelle dans le civil Scolastique Augustine Pénard. Quand même pas mal. Elle prendra un nom de religion, Sœur Marie Sainte-Rose du Cœur de Jésus. C'est quand même très beau. Elle a d'ailleurs s'inspiré de la sœur Sainte-Rose du Pérou, dont on verra qu'elle est tenante d'une philosophie qui, à l'époque, je le dis tout de suite, mais c'est important, il faut en être conscient, à l'époque est très, très imprégnée dans l'Église. C'est-à-dire qu'il est important de souffrir un maximum pour notre passage sur Terre si l'on veut gagner le paradis et la vie éternelle. Donc c'est ce qu'on pense à l'époque. Et si vous lisez la Sainte-Rose du Pérou, la vie est une vallée de larmes. Et il faut que ça soit ainsi. Il faut se priver de tout ce qui peut être agréable dans l'existence si on veut être sûr d'atteindre un jour la vie éternelle. Alors elle a très vite, de par les pensionnaires, un surnom qui est assez révélateur, Scolastique Augustine Pénard, elle va être baptisée la sœur Tapture. On l'appellera aussi la terreur. Voilà. Donc je ne déflore pas le sujet, mais on imagine ce que ça veut dire. La philosophie, alors voilà, je reviens à ça. La philosophie, deuxième chapitre. Quelles sont les philosophies qui président à la colonie ou au refuge? La colonie, c'est simple. Charles Lucas, qui était un inspecteur des prisons à l'époque, avait eu une formule qu'on attribue à tort à Demetz. Demetz l'a reprise simplement. Sauver la terre par le colon et le colon par la terre. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a 700 hectares, on a 5 ou 6 fermes, on a de quoi faire travailler les enfants. Il y a des débouchés dans l'agriculture à l'époque. Et donc, Demetz constate cet exode rural, constate ces bandes de gamins délinquants à Paris et ailleurs. Il dit qu'il faut les ramener à la terre, il faut repartir dans les campagnes. Il a lui aussi dans sa philosophie une autre maxime qui me paraît très révélatrice. Il dit « loyauté passe tout, la loyauté prime ». Il va passer une sorte de contrat avec les gamins qui sont les nouveaux arrivants. Il leur dit en substance, vous savez, moi j'ai une main droite avec un gant de velours, je vais vous la tendre. Et je vous préviens, si vous ne la prenez pas, j'ai une main gauche avec un gantelet de fer. Et c'est celle-là qui va agir. Bon, donc le marché est vite mis sur la table, et c'est loyauté passe tout. Il faut respecter le contrat et tout se passera bien. Il dit ceci, ce n'est pas une prison que nous voulons créer, c'est une maison de réforme. Et sa philosophie va s'appuyer d'entrée sur trois piliers. Là aussi, quand on les évoque, on mesure la distance qu'on a parcourue depuis lors et que ces piliers-là, ils n'ont plus trop d'actualité, c'est vrai. Le premier pilier, c'est le sentiment religieux. On est dans une société privée, j'ai dit. Enfin, au milieu de la société privée, il y a l'Église. Elle est là. Dans tous les dortoirs, vous avez la formule inscrite « Dieu te voit ». Bon, ce qui n'empêche pas d'ailleurs, vous le voyez peut-être dans ce clocher, d'avoir une espèce de plateforme qui fait tout le tour, où il y avait quand même un surveillant qui traînait, parce que des fois Dieu aurait été distrait, il était bon qu'il soit surveillé par des yeux humains, malgré tout. Donc on ne perd pas de vue l'aspect religieux, il y a la messe du dimanche qui est tout à fait considérable, il y a des tas de choses comme ça. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est l'esprit de famille. Vous voyez, alors, si vous allez à Maitrey un de ces jours, vous verrez cette chapelle, elle est toujours là. La seule différence, c'est qu'elle a pris, vers la fin du XXe siècle, un coup de foudre sur le clocher, et qu'il a diminué de moitié. Ce qui est beaucoup moins joli, il faut reconnaître que cette forme élancée est belle, alors qu'aujourd'hui, c'est un peu rapetissé. Et vous avez de chaque côté cinq maisons. Les cinq de droite sont toujours sur pied,
À gauche, il n'y en a plus qu'une, on a bâti d'autres bâtiments où on va recueillir les familles, avec un chef, tout tient à la famille. Si vous voulez. Il y a un chef de famille, et il y a les colons, on les appelle des colons, on n'a pas peur des mots à cette époque-là. Hein. Il y a un frère aîné qui est un des colons qui va épauler le chef de famille. Enfin, on a une notion familiale qui est très forte. Et puis, le troisième pilier, parce qu'il ne faut pas rêver non plus, c'est la discipline militaire. Hein, on marche au pas. On se réveille au son du clairon. Bon, à 6h du matin, quand c'est pas 5h l'été. Bon, mais on est aussi à une autre époque. Je pense qu'une des raisons du succès qu'on va évoquer dans un instant de cette institution grâce à Demetz, c'est ça. Il y a une poigne qui est forte, il y a des règles. Si on les respecte, tout se passe bien. Si on ne les respecte pas, il y a des cachots aussi. À l'époque, dans le règlement intérieur, il est fait formellement interdiction de tout châtiment corporel. Et je pense que c'est respecté. Il y a un critère qui est intéressant, on en parlera, c'est que pendant la période de Metz, en gros 1840-1880, à peu près 40 ans, il n'y a pas une évasion. Et on sort comme on veut, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de barreau, il n'y a pas de grille, si vous voulez. Donc les choses fonctionnent bien. Ensuite, ça c'est la philosophie. Ensuite, le refuge. Il faut savoir qu'à l'époque, les abandons d'enfants sont fréquents. Ça paraît assez surprenant à nos esprits d'aujourd'hui, mais ils sont fréquents. Les enfants adultérins, par exemple, qui ne sont pas reconnus juridiquement à cette époque-là. Et là, vous voyez, il y a devant les couvents, souvent, les maisons religieuses, une espèce de niche, comme ça, hein, dans lesquelles on peut placer des gamins. Ça pivote et il se retrouve à l'intérieur. Et on s'en va, un peu effondré d'après le dessin, c'est ce qui paraît être la moindre des choses quand même. Donc c'est une philosophie. Et là on est au couvent dans le tout religieux. Il n'y a pas d'équilibre comme on vient de le voir chez Demetz avec la colonie. Là on est dans le tout religieux. On est, comme je le disais tout à l'heure, dans des mortifications qui permettent effectivement d'accéder, on l'espère en tout cas, à la vie éternelle. Le châtiment corporel, on va le voir, est de règle. Je le condamne, mais j'essaye malgré tout de comprendre un petit peu pourquoi une femme, comme la sœur, entre guillemets, tape dure, a pu s'adonner à tout ça, alors que ben, elle est religieuse, donc ça nous paraît assez curieux. Je le dis tout de suite, à mon sens, il y a une part indiscutable de sadisme, mais il y a aussi, j'en suis sûr, une part avec l'idée d'agir dans le bien des enfants, dans le bien de la vie éternelle, si vous voulez. On les fait souffrir, mais c'est pour leur bien. Faut pas perdre ça de vue. Alors ça excuse pas tout, évidemment, hein, on est d'accord. D'autant plus que ces gamines-là vont vivre dans des conditions alors de salubrité. Le couvent de refuge à l'époque est tout à fait insalubre. On le verra dans le procès. Il y a des cachots. Il y a non seulement des cachots, il y a ce qu'on appelle un nid patché. C'est-à-dire, on rentre par une trappe, il y a une échelle en bois, il n'y a aucune espèce d'aération. Une espèce d'aération, c'est vraiment le cul de bassos, si j'ose dire. Et puis, Il y a la culture du malin, c'est-à-dire que si on voit passer un chat, on dit aux filles, mais ça c'est le diable. Le diable vous guette, attention, etc., etc. Bon, je ne vais pas trop vite parce qu'on en parlera. Donc voilà en ce qui concerne les philosophies de l'un et de l'autre. L'objectif du refuge, il est simple. C'est premièrement d'éviter l'incarcération, ou en tout cas de sortir les gamins de prison s'ils y sont déjà. Deuxièmement, de les former, et troisièmement, de les renvoyer dans la vie. Alors, les former, c'est important, et au refuge, on le fera, on va le voir, au refuge, pardon, à Maitré, on le fera dans des conditions excellentes, pendant 40 ans. Je fais toujours ce distinguo, mon livre s'appelle « Lumière et ombre », c'est pas pour rien. L'ombre, on la connaît, entre les deux guerres mondiales, c'est un bagne d'enfants, c'est l'enfer, c'est indiscutable. À partir de 1880, ça décline progressivement, mais entre 1840 et 1880, c'est un véritable succès et une totale réussite, et ça, on l'a oublié.
Et ils vont se donner les moyens, premièrement, de former les gamins, et deuxièmement, de les renvoyer dans la vie, on va voir. Ben, le refuge, la philosophie, l'objectif, plus exactement, il n'est pas tout à fait le même. Il devrait être le même, a priori. Parce que ben, ces gosses-là, elles sont comme les garçons. En général, quand elles arrivent, elles ne savent ni lire, ni écrire, ni compter. L'école primaire n'est pas obligatoire à l'époque en France. C'est des gamins abandonnés, c'est des gamins qui arrivent d'orphelinat, qui arrivent de prison pour les garçons, à une époque pour les filles aussi, donc ils ne savent rien. Donc on doit effectivement leur apprendre, et leur apprendre cette, entre guillemets, c'est un grand mot, mais cette culture générale minimum, basique, et puis les former à un métier pour qu'ils puissent repartir dans l'existence. Le refuge... L'objectif, c'est de faire travailler, travaux de couture, hein, on fait des travaux de couture, on fait les chemises d'hommes notamment, de faire travailler au maximum les gamines pour la rentabilité. C'est-à-dire, tous ces travaux vont être vendus à Paris. On va même, je peux te dire dès maintenant, faire le commerce des cheveux. C'est extraordinaire. On va couper les cheveux des gamines, hein, ce qui aura une double fonction. Financière, parce qu'on a le témoignage du fabricant de perruques de la rue d'à côté, qui a été entendu lors du procès, et qui dira à quel prix se vendaient les cheveux, etc. Et puis l'autre intérêt de cette coupe de cheveux, c'est que la mode des filles à cheveux courts n'est pas du tout d'actualité à cette époque-là. C'est les filles qui ont les cheveux courts sont des filles de mauvaise vie et de mauvais genre. Donc, s'en aller du couvent avec les cheveux ras, c'est pas facile. C'est très difficile de repartir dans la vie dans ces conditions-là. Donc on a un objectif qui est quand même l'intérêt de la congrégation, c'est vrai. Les moyens. Alors ça, oui, ça arrive là, pourquoi pas. Vous allez comprendre en lisant ça. Bon, je vais un petit peu, j'anticipe un tout petit peu, c'est pas grave. Ce couvent qui se situe donc place rue de la Riche à l'époque, il n'y avait pas la rue d'Abilly, ça n'existait pas, et c'est un domaine important, c'est la campagne. Hein, c'est un couvent important en superficie, il y a une écurie, il y a des vaches, il y a des prés, il y a tout ça. Bon. Quand il y a eu ce procès dont je vous parlerai tout à l'heure, on est en 1903, le couvent va être fermé l'année suivante, les bonnes sœurs renvoyées ailleurs, et le couvent est mis en vente. Et il va être acheté, ça fait partie des ironies de l'histoire qui sont un peu amusantes, par les francs-maçons. Les lémophiles de Lorient vont racheter effectivement, en 1908, le couvent, et ils y sont toujours. J'ai eu le privilège d'être invité, je ne suis pas franc-maçon, mais j'ai été invité à y faire une conférence il y a 4 ans sur un thème éthique tenant à la profession d'avocat. À l'époque, je ne connaissais pas l'histoire du refuge. Donc j'y suis allé, et là, cette conférence, elle se tient dans la chapelle, qui est toujours le lieu où se tiennent les tenues, voilà, je cherche le terme. Bon, et quand j'ai fait connaissance avec le procès du refuge, je leur ai dit, j'ai dit à la personne qui m'avait invité à l'époque, j'ai dit, mais il faut me réinviter, parce que je vais vous expliquer où vous vivez. Vous ne le savez pas. Et à 90%, ça part. Donc j'y retourne à la fin du mois de mai pour leur parler du refuge, effectivement. Alors, bon, ça, je passe. Voilà. Je reviens à Maitret. Les moyens de Maitret. Les moyens de la réussite. Je vous disais, de Maitret, c'est un type génial. Il a cette idée. Alors, il faut savoir, avant, il faut savoir que la colonie agricole et pénitentiaire de Maitret va servir pendant toutes ces années entre 1840 et 1880 de modèle en France, de modèle en Europe. On viendra voir de tous les coins du monde la colonie de Maitret qui est un modèle absolu. Il y a une loi de 1850 qui se préoccupe du sort des enfants et qui va dire textuellement suivez le modèle de la colonie de Maitret, créer des sociétés privées, des colonies agricoles privées. Donc c'est vraiment un grand succès. La première raison de ce succès, c'est ça.
C'est-à-dire 2 mètres et personne d'autre dans toutes les autres colonies ne le fera et n'aura donc cette période magnifique. 2 mètres se va dire, moi je ne veux pas faire garder ces gamins par des gardes chiourme. Je veux former des jeunes à ce métier de s'occuper des enfants. Et il va créer ce qu'il appelle l'école des contremaîtres, qui va être en réalité la première école d'éducateurs en France, il faut le dire. Et il va demander aux curés des paroisses, parce qu'à l'époque les curés des paroisses sont très intégrés dans les familles et connaissent tout le monde, de lui indiquer, de diriger vers lui des jeunes, il veut des jeunes entre 20 et 25 ans, de bonne famille, de bonne moralité, motivés, sérieux. Et il va pendant 6 mois les former dans l'école des contremaîtres. Alors, on ne fait pas des autres études, hein. Encore une fois, les gamins, il faut leur apprendre à lire, à écrire, à compter, c'est le plus important. C'est le plus important, on leur apprend. Il y a aussi la religion qui est apprise, évidemment, le catéchisme, il y a l'agriculture qui est apprise, il y a des notions comme ça, mais c'est relativement simple. Et ces garçons qui sortent de l'école des contremaîtres au bout de 6 mois de formation deviennent chef de famille, chef d'atelier, chef de culture. Et donc, on a des garçons équilibrés, motivés, qui ont été formés pour s'occuper de gamins qui, a priori, ne sont pas forcément tous des tendres. Hein. Bon. Donc, ils sont très adaptés. On a une démonstration parlante de la réussite de la scolarisation à Maitrey, puisqu'ils vont suivre. Est-ce que j'ai ça? Oui, je dois voir une autre photo qui parle de ça. Voilà. Les petits colons au travail. La classe. Notez au passage, ils ne sont pas vieux, vieux. Hein. Y a des gamins qui ont 9 ans à Maitrey. Hein. Ils sont isolés, il y a une maison pour les plus petits. Mais ça travaille. Et ça travaille vraiment et sérieusement. Et on en a une démonstration, puisqu'en 1877, la commune de Maitrey, pas la colonie, hein, la commune de Maitrey présente au certificat d'études une 30aine de gamins. Sur les 30, il y a, je crois, 18 colons, à peu près. Tous les colons sont reçus. Et les 4 premiers sont des colons. Voilà. Donc ça, c'est un critère parlant du succès de l'enseignement qu'on leur donne à la colonie. Ils travaillent au champ. Ils travaillent dans des ateliers, on a des ateliers, vous aurez dans ce livre tout un tas de photos historiques des ateliers de l'époque. Alors, c'est des noms un peu oubliés, les brossiers qui fabriquent des brosses, les sabotiers qui fabriquent des sabots, les ferblantiers, les charrons, enfin, c'est des métiers de l'époque. On apprend le maniement des armes, on a même sur la grande place de Maitrey un bateau. Une coque de bateau, deux mâts et des voiles, et un maître gabier, ça s'appelle comme ça, qui va apprendre aux gamins à naviguer. Alors ça peut paraître un peu surprenant, puisqu'on n'est quand même pas tout à fait à côté de la mer. Il y a ça notamment à Belle-Île-en-Mer, où il y a également à Belle-Île-en-Mer un centre de cette nature, mais à Belle-Île-en-Mer ça se comprend mieux. En réalité, si, ça se comprend, parce que... Non, c'est pas tellement la Loire, c'est que dans les débouchés, parce qu'on... De mettre ça cette idée fixe de former les gamins et de ne les relâcher qu'une fois formés et s'assurant qu'ils ont un débouché, si vous voulez. Il y aura un suivi, on va le voir. Alors il y a l'agriculture, c'est vrai, il y a des artisans qui ont des métiers auxquels ils vont être formés, et puis il y a l'armée. C'est un gros débouché, l'armée. Les trois armes vont être un gros débouché, donc la marine également. Et puis il va mettre, j'entre pas dans les détails, mais... Des tas de choses, une caisse d'épargne propre, c'est-à-dire ces gamins qui sont payés vont recevoir des pécules, on ne va pas leur donner comme ça, ils les auront à la sortie, mais qui sont sérieux, qui sont représentatifs. Il y aura aussi un système de punition, parce qu'il faut qu'il y ait un système de punition, pas de châtiment corporel, je l'ai dit, mais de système de punition, de cachot. Il y a sous la chapelle, et on les visite encore, c'est assez extraordinaire, des cachots de l'époque, c'est impressionnant à voir quand on imagine ce qui a pu se passer. C'est pas tendre, hein, c'est vraiment des souricières, hein, mais c'est l'époque aussi. Mais il y a un système de récompense. Il y a toujours les deux avec deux matchs. Il y a la punition, mais il y a la récompense. Si vous voulez, la famille, je dis, il y a 10 grandes familles, puisqu'il y a 10 grandes maisons,
avec un chef de famille, et chaque dimanche, on va remettre à la famille la plus méritante de la semaine un drapeau avec des honneurs. C'est la famille la plus méritante ou c'est la famille la moins punie en tout cas. Bon, mais c'est, ça revient au même, c'est pareil. Et on va souvent courir après ça, essayer d'arracher le drapeau du dimanche. Donc il y a toujours une manière de motiver les gamins qui est psychologiquement très intéressante. Alors, les raisons du succès de... Voilà, les raisons du succès de Maitret. La première raison, j'en ai parlé, c'est les causes des contre-maîtres. Et puis, d'autres raisons. Il va avoir des idées qui seront abandonnées après lui, j'ai dit, mais qui vont être tout à fait modernes. Le mois d'essai à l'arrivée, c'est-à-dire que de Metz n'accepte jamais un gamin d'entrée. Il y a un mois pendant lequel il va étudier de près le gamin lui-même, souvent avec des entretiens personnels. Et au bout d'un mois, quand il aura vu ce gamin dans le ventre, il décidera de le prendre ou de ne pas le prendre. On a des témoignages tout à fait extraordinaires de lettres d'anciens colons de cette époque lumineuse, qui sont des témoignages élogieux, qui retrouvent en Demetz une espèce d'image paternelle, avec l'autorité, mais avec la compréhension, avec l'intelligence, enfin avec tout ce qu'il faut, si vous voulez. Et ça, c'est une première chose. Il y a la chambre de réflexion. Qu'est-ce que c'est la chambre de réflexion? De Metz se dit, bon, on est en face de petits durs quand même aussi, hein, bien sûr. Ils sortent de prison, ils sont délinquants, ils ne sont pas tendres. Il y a matière à punition. Il ne veut pas que lorsqu'il y a un incident, une punition soit prise par le chef d'atelier, de culture ou de famille, à chaud. Donc on isole le gamin dans une chambre de réflexion, il va réfléchir 2 heures, 3 heures, 4 heures, c'est rien de son côté, et le chef de famille ou autre qui a ce désir de punir et ce besoin de punir va voir de Metz, et ils s'en entretiennent. Donc on a quelques heures de part et d'autre de réflexion, on ne prend jamais une décision à chaud, qui me paraît assez intelligent. Mmh. Ensuite, vous avez quelque chose qui sonne à nos oreilles aujourd'hui, le placement à l'extérieur. On a ça dans les prisons, je connais un petit peu le monde carcéral, ce qu'on appelle l'application des peines dans notre jargon, c'est-à-dire une fois la peine prononcée, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un moment donné où on peut prendre des mesures temporaires. Le placement à l'extérieur fait partie de ces mesures. De Metz va... connaissant bien ces gamins, savoir qu'un tel ou un tel peut être placé, quand je dis à l'extérieur, c'est pas, parce qu'ils sont aussi placés dans les fermes, mais qui dépendent de la colonie, mais placés complètement à l'extérieur, chez un artisan, dans une ferme, quelque part. Donc ça, c'est quelque chose qui est très nouveau. La libération anticipée, c'est notre libération conditionnelle d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément obligé d'attendre la fin théorique de la peine, ou du placement en espèce, pour relâcher quelqu'un. Quand les conditions, si de Metz juge que les conditions sont réunies, même si on est 6 mois plus tôt par exemple, qui a un débouché, qui a une bonne formation, il va obtenir du juge la signature d'un document pour libérer avec anticipation. Alors, je fais une toute petite parenthèse qui est un retour en arrière, j'ai oublié de vous dire une chose tout à l'heure, dans le passé, et le sort des mineurs. La Révolution française a apporté une chose extrêmement intéressante en ce qui concerne les mineurs, c'est la notion de discernement. Ça n'existait pas avant, et les juges, qui n'étaient pas des juges des enfants, encore une fois à l'époque, mais qui étaient des juges correctionnels, lorsqu'un mineur était poursuivi devant eux, pour un délit, voire un crime, devait se poser d'abord la question de son discernement. C'est-à-dire, était-il capable de discerner le bien du mal et d'avoir une attitude, on dirait, responsable aujourd'hui. S'il était jugé discernant, ben, il était condamné, et puis voilà, comme les autres, comme les majeurs. Mais s'il n'était pas jugé discernant, on le relaxait, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas prononcer de condamnation, mais on ne le remettait pas dans la nature, et on le plaçait
dans un centre dit de redressement, dans une maison de correction. Le problème, c'est qu'il n'y en avait pas à l'époque de Metz, et que, comme toujours, vous savez, c'est comme les quartiers de mineurs. Il y a une loi qui doit être de la fin du 19e, qui est venue dire qu'il ne faut surtout plus mettre dans les mêmes prisons les majeurs et les mineurs. Le premier quartier de mineurs, il date de 30 ans plus tard. Alors, c'était pas très commode, vous comprenez? Bon. Donc, voilà. Là, on n'est pas en fin de peine, on est en fin de placement, si vous voulez, qui correspond très souvent à la majorité, bien sûr. Donc, la libération anticipée. Et puis, encore une fois, il est hors de question dans l'esprit de Metz de lâcher un gamin dans la nature sans le suivre et s'en préoccuper. Donc, il y a un suivi par des sociétés qu'on appelle des sociétés de patronage, qui a des antennes dans les grandes villes, qui a un bureau à Paris, et les gamins, on sait où ils vont, et ils peuvent être en contact s'ils ont la moindre difficulté. Ça, c'est des notions aussi qui sont extrêmement modernes, qui vont être reprises aujourd'hui, qu'on connaît. Mais de Metz, il est quand même, à l'époque, en 1839, et il invente des choses tout à fait extraordinaires, à mon avis. Alors ça, c'est Maitret, donc les moyens qu'on se donne à Maitret. Ah oui, j'ai oublié celle-là. Ah aussi, il faut que je dise un mot, parce que ça, c'est assez amusant quand même, si j'ose dire. C'est joli, je trouve. Hein? Ils l'ont démoli. Oh, une horreur. De Metz a encore une idée tout à fait géniale. Les colons, c'est des gosses de pauvres. Bien évidemment, c'est des gosses des rues, ces petits délinquants, c'est des gosses de pauvres. Et à l'époque, on l'a vu avec l'idée de l'île de la Désirade, avec les gamins de riches qui posent des problèmes, qui sont feignants, qui sont bons à rien, qui sont tout ce qu'on veut, et dissipés. Et ils créent ce qu'on appelle la maison paternelle, Saint-Antoine, qui va être, comme vous verrez, Maitret, vous avez vu les images tout à l'heure, vous avez vu la chapelle, elle est accolée à la chapelle derrière. C'est un très beau bâtiment. Vous avez l'intérieur, enfin, quand je vois ça, je me dis qu'ils ont tout cassé, c'est épouvantable. Enfin, ça, en 1970, hein, quelque chose comme ça, parce qu'ils ne voulaient plus l'entretenir. C'est quand même magnifique. Et là, on accueille les gosses de riches. C'est-à-dire que les parents, non, à l'époque, la femme, on s'en foutait, hein, c'était sans intérêt, le père de famille, l'autorité paternelle qui était toute puissante pouvait décider en fonction du code civil si un enfant lui posait des problèmes, lui causait des désagréments, dit la loi, il pouvait le placer. Alors, effectivement, il pouvait le placer en prison, enfin, on disait on ne le place pas en prison, mais on n'avait rien pour les recevoir. Donc là, il innove et il dit oui, moi vous m'envoyez, il y a une douzaine de cellules, entre guillemets, mais enfin, qui ont quand même plus d'allure que dans une prison ordinaire, malgré tout. Vous m'envoyez vos gamins, la loi dit, s'il a moins de 16 ans, c'est un placement d'un mois maximum renouvelable une fois, s'il a plus de 16 ans, c'est 6 mois renouvelable une fois. Bon. Mais là, on paye les gosses de riches. Enfin, pas les gosses de riches, les riches. Les riches, ils payent une pension extrêmement élevée, qui est intéressante pour la bonne marche. À l'époque, tout va bien sur le plan financier, parce que encore une fois, l'administration pénitentiaire est bouclée, elle n'a rien à dire. Les colons, c'est les petites journées qui sont décidées par l'État. Compte tenu de la personnalité et de l'aura que peut avoir de Metz, il y a un bon prix de journée. Ça lui permet de tourner. Mais en plus, il a ça. Et petite anecdote amusante, parce que ces gamins-là, ils sont complètement anonymisés. Change de nom à l'entrée, il n'y a que le directeur qui sait qui ils sont, on ne peut pas savoir, ils n'ont aucun contact entre eux d'ailleurs. Et alors, chose amusante, si vous venez un jour à Maitret, c'est que vous verrez que l'hôtel de la chapelle est en haut d'un escalier qui fait une quinzaine de marches, qui est très très en hauteur d'une manière très inhabituelle. Parce que la messe pouvait être suivie le dimanche, d'un côté par les colons, de l'autre côté par les gosses de riches. Sans qu'il y ait le moindre contact, il n'était pas question qu'il y ait le moindre contact entre eux. Et petite anecdote amusante, on a su par des correspondances qui ont été publiées plus tard, que le Jules Verne avait placé son fils dans cette maison paternelle. Et bon, on n'aurait pas pu le savoir si lui-même ne l'avait pas dit dans des correspondances qui ont été publiées. Donc voilà, la petite... Alors, on verra tout à l'heure ce qu'elle est devenue. Ah ben là, oui, ça va un peu dans tous les sens, c'est pas grave. Voilà la famille, le drapeau. Le drapeau qui est là, le dimanche, cette famille-là. Alors, si vous voulez, les maisons,
elles sont conçues au départ pour avoir 20-25 colons. Et puis très rapidement, parce qu'on pensait avoir 300 colons dans l'établissement, quelque chose comme ça, on va être très vite à 600 ou 700, c'est un succès tout à fait considérable, si vous voulez. Donc ils vont se retrouver à 40 ou 50 par famille. Et voilà, d'abord la tenue du dimanche, qui est quand même pas trop vilaine, les chefs de famille, chefs de culture qui entourent, et puis les colons qui sont au milieu, avec le fameux drapeau du dimanche. Voilà où ils dorment. Voilà où ils dorment. Alors, j'ai retrouvé, ça m'a amusé, j'ai retrouvé le premier projet qu'avait fait de Metz pour construire, et il avait prévu des lits pour les colons. Mais il a pensé que compte tenu quand même de la période d'adolescence dans laquelle ils allaient se trouver pour la plupart, les hamacs étaient moins favorisant à certains rapprochements qui n'étaient pas souhaitables. Voilà. Donc, on a les gamins dans les hamacs. Et chose aussi intéressante, il y a 4 ou 5 ans, le directeur de notre association, à Maitrey, a retrouvé dans une des fermes un peu plus loin, il a ouvert un jour une porte et il a vu une salle pratiquement comme ça. Donc, on a tout récupéré, évidemment, tout ce matériel, avec l'idée de reconstituer totalement un dortoir à l'intérieur des bâtiments même. Tout ça, ça fait partie de nos projets, bien sûr. Et puis, on travaille dans les champs. Voilà. On travaille dans les champs. La tenue n'est pas la même. Ça, c'est la tenue de la semaine, effectivement, avec les chapeaux de paille, avec les sabots. Hein, les gamins ont des sabots. Alors, je ne vous détaille pas la journée, mais c'est vrai que, bah, oui, on se lève à 5 heures l'été, on se lève à 6 heures, on fait quelques ablutions. On fait d'abord des prières. Prière collective à genoux à la sortie du hamac, d'abord, au son du clairon. Et puis ensuite, quelques ablutions. Je crois qu'on a droit, si j'ai bonne mémoire, au savon 2 fois par semaine. Pas plus, mais enfin, il faut se reporter à l'hygiène de l'époque. Hein. C'était pas... On a la chance d'avoir une petite rivière pas loin, et effectivement, l'été, quand il fait beau, on a un quart d'heure de bain dans la rivière. C'est certainement une très, très bonne chose. Donc, voilà. Alors, un exemple des ateliers. Vous voyez ici les menuisiers. Je ne sais pas rien. Ouais. Alors, voilà. Bon, je n'ai pas mis tous les ateliers parce que je les ai tous dans mon livre. Ça, c'est les raisons du déclin. J'anticipe un peu. Donc, le cadre de vie, j'en ai parlé. La maison paternelle, les maisons de la famille, j'en ai parlé. Le travail en extérieur, les placements dans les fermes, très bien. Le refuge, avant d'arriver à revenir au déclin de Maitrey. Le refuge, à l'époque, est divisé en classes aussi. Il y a la classe de l'ange gardien, pour les plus petites. Il y a des gamines qui ont jusqu'à 5 ans au refuge. Hein. Vraiment, des gamines très, très, très petites. Il y a la classe des Philomènes, la classe des Joséphines, la classe des arriérés, ou semi-idiotes. J'aime bien les expressions, il faut les garder, ça, c'est révélateur de l'état d'esprit de l'époque, semi-idiotes. Et puis, la classe qui va poser des problèmes, qu'ils appellent la classe des pénitentes. La classe des pénitentes, ce terme est une espèce de survivance de l'époque où on accueillait des délinquantes, mais c'est fini depuis 1885, je vous l'ai dit, mais on a gardé ce terme de la classe des pénitentes, et la sœur Tapture dirige la classe des pénitentes. Et il y aura des laïcs aussi, ce qu'on appelle des dominones, du tiers-ordre de Saint-Dominique, qui sont souvent des anciennes de la maison et qui servent d'aide. Alors là on ne vit pas au grand air comme à Maitrey. Il n'y a aucune sortie. Ma petite Angèle, à laquelle je me suis quand même attaché, quand on essaye de se mettre dans la peau d'un personnage réel comme ça, alors, il fait un peu partie de soi, il faut imaginer qu'elle arrive à l'âge de 15 ans, qu'elle ne va pas mettre, alors pas les pieds dehors, puisqu'elle est une hygiéniste, mais elle ne va pas mettre le pied dehors, pendant 6 ans. Elle n'est pas religieuse, elle n'est pas cloîtrée, si vous voulez, mais elle l'est, complètement. Il n'y aura quasiment pas de visite. Quand certaines filles peuvent avoir des visites, c'est toujours en présence d'une religieuse, donc il n'est pas question de se plaindre de quoi que ce soit. Et le pire, c'est qu'Angèle va guetter cette pauvre gosse, la barrière fatidique des 21 ans. Et je suis majeur, elle ne peut pas me garder. Et le jour de ses 21 ans, elle croise la bonne sœur,
Elle lui dit, ma sœur, je suis majeure. Et alors, lui dit la sœur, eh ben, je m'en vais. Tu t'ennuies ici? Ben oui, je m'ennuie ici. Eh ben, tu vas t'ennuyer au cachot. 2 mois de cachot. Majeure, 2 mois de cachot. Et elle va sortir quand même parce que, et ça c'est véridique, une de ses petites camarades va s'en inquiéter, va faire passer une lettre à l'extérieur, aux orphelinats de Bordeaux, qui va écrire en disant, mais vous n'avez pas quelque chose. Alors là, on lui fait son compte financièrement. Elle a travaillé 6 ans. Elle a été martyrisée, hein, je peux vous le dire. Mais elle a travaillé 6 ans. On lui fait son compte, on lui donne 4 francs. J'ai fait approximativement le calcul, ça doit faire 60 euros, quoi. À peu près, quelque chose comme ça. Hein. On lui donne 4 francs, on lui ouvre la porte, on la met dehors, on referme la porte. La gamine qui a 21 ans, qui ne connaît pas la ville de Tours, qui ne connaît rien, qui a 4 francs en poche, qu'est-ce qu'elle fait? Alors là, c'est la part du roman. Là, j'ai inventé un certain nombre de choses, mais c'est impressionnant quand même. C'est impressionnant. Alors, l'évolution. Voilà, l'évolution, on arrive à la raison, aux raisons du déclin. Ben, la première raison, c'est la mort de Demetz. Vous avez compris que cette colonie est créée par lui, à son empreinte, c'est lui qui dirige, c'est lui qui fait tout, il dirige et la maison paternelle et la colonie. Et puis, ben, beau jour, il meurt, on est en 1876 ou quelque chose comme... Non, 73, voilà. Ça va encore tenir un petit peu parce qu'il y a un nommé Blanchard qui va lui succéder, qui est un petit peu son second, qui a un petit peu de philosophie. Mais la première chose qu'on va faire, et c'est la première bêtise, c'est la fermeture de l'école des contremaîtres. C'est-à-dire ce qu'a voulu expressément de Metz disparaît. Et on va aboutir à cette aberration, et c'est pour ça aussi qu'entre les deux guerres, ça va être monstrueux, c'est que pour garder les gamins entre les deux guerres, on va embaucher des anciens de 14. C'est-à-dire des hommes qui sont complètement traumatisés par ce qu'ils ont vécu, qui sont en général intempérants, parce que pour sortir des tranchées, on les a quand même fait picoler, sinon ils ne sortaient pas, j'imagine, et on le comprend. Donc c'est effectivement aussi une des explications de cette période noire tout à fait monstrueuse. Donc la fermeture des écoles, et puis le scandale de la maison paternelle, je vous explique ça, on est en 1909, donc la maison paternelle c'est les gosses de riches. Un gamin qui s'appelle Christophe Goutard, qui a 14-15 ans, qui est marseillais, va tomber amoureux d'une danseuse de cabaret. Ça ne plaît pas du tout au père, ça ne plaît pas à la famille, le père est fou furieux, etc. Et je vais t'envoyer à Maitrey. Le gamin supplie, je ne veux pas y aller, etc. Et on l'emmène de force et on le met dans la maison paternelle. Dans les jours qui suivent, on le retrouve pendu dans sa cellule. Et là, vous avez un journal à l'époque qui s'appelle L'Assiette au beurre, qui est un peu notre canard enchaîné, si j'ose dire, qui s'empare de l'affaire. Et ça fait un scandale terrible. Terrible à tel point que la maison paternelle ferme l'année suivante, 1910. Donc ça, c'est un coup terrible dans le sens du déclin. On découvre, alors que, bon, il n'est pas en soi maltraité, bien sûr, ce gamin, mais bon, ça porte un coup terrible. Et puis, il y a dans l'esprit de l'assiette au beurre un petit peu cette assimilation, la colonie aussi, on prend plein la figure à ce moment-là. Mais ça a commencé de toute façon à décliner. Et puis, l'administration pénitentiaire, je vous disais tout à l'heure, Demetz est mort. L'administration pénitentiaire danse. Ses successeurs n'ont plus du tout la personnalité de Demetz pour tenir tête à cette monstruosité qu'est l'administration pénitentiaire. Donc elle va mener petit à petit une guerre terrible. Elle va obtenir de l'État une diminution drastique, épouvantable des prix de journée qui ne vont plus être tenables. Donc on va rogner sur tout, sur la nourriture, sur le confort, sur tout, si vous voulez, c'est plus vivable. Elle va même instituer un règlement intérieur pour les colonies en général, qui est impossible à suivre, que d'ailleurs les... Parce qu'il y a des colonies publiques, bien sûr, aussi, qui dépendent de l'administration pénitentiaire, elles se fichent du règlement intérieur qu'elles ont institué, mais on va l'imposer aux colonies privées. Donc voilà les raisons, si vous voulez, du déclin. Alors, le refuge, maintenant, dans l'évolution du refuge. Alors, deux mots, vous le découvrirez si vous lisez mon livre, mais quand même deux mots sur les punitions.
parce que la sœur Tapdur, c'est quand même un sacré numéro. Est-ce que vous savez ce qu'est ou ce que sont des croix de langue? Non, non. Faire des croix de langue, c'est une punition qui est infligée par la sœur Tapdur aux gamines qui doivent se mettre à genoux et faire des croix avec leur langue sur le sol. 10, 20, 50, jusqu'à 50 croix, donc les langues se terminent en très mauvais état. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que ça se fait sur le sol du dortoir, sur le sol du réfectoire, sur le sol des cabinets, sur le sol de l'écurie, où il y a les vaches. Ce qui peut expliquer une certaine profusion de la tuberculose. Aussi, il y a beaucoup de gamines qui meurent de tuberculose. Alors, ça c'est un exemple, mais il y a deux types de punitions. Il y a des punitions qui sont corporellement douloureuses, celle-là l'est, notamment pour la langue, effectivement. Mais il y a des punitions, alors il y a aussi des punitions douloureuses comme la tête dans un baquet d'eau, un peu à la Gestapo si vous voulez. On inflige la punition de mettre la tête immergée dans le baquet d'eau, ça dure une demi-heure avec des sorties et des rentrées, des sorties et des rentrées, bien évidemment. Mais bon, des douches punitives. Ben, j'ai essayé d'imaginer ça en mettant à la place d'Angèle une gamine adolescente avec une jambe de bois en plus, qu'on va déshabiller, qu'on va doucher, même en période d'indisposition, c'est indiqué, on s'en fout comme de l'an 40 si vous voulez. Donc voilà, ça, il y a un côté très 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 douloureux. Et puis il y a aussi la punition vexatoire, la punition humiliante. Au réfectoire, par exemple. Au réfectoire, une gamine, parce que, alors, il faut dire une chose, c'est que c'est la règle du silence. C'est la règle du silence. Il y a dans la journée deux demi-heures où elles sont dites en récréation. Qu'est-ce que c'est la récréation au refuge? C'est on continue à travailler, mais on a le droit de parler. C'est ça, la récréation. Bon. Et si on dit un mot de travers, si une gamine de 15 ans, elle chante, il y en a qui connaissent un petit peu le monde extérieur avant d'arriver, il y a des chansons à la mode, chanter une chanson si c'est pas un cantique, c'est une horreur. Et là, une des nombreuses punitions, c'est d'être privée de repas, mais de pouvoir aller au réfectoire mendier auprès de ses petites camarades un peu de quelques miettes. Oui. Il y a une autre punition en classe, par exemple, c'est-à-dire que la gamine punie, on la fait mettre au milieu, et toutes les autres viennent lui donner l'une après l'autre une gifle. Bon, c'est pas, pas dire que ce soit hyper forcément douloureux, mais quelle humiliation. Oui. Et puis alors, il y a une autre catégorie qui est quand même très très monstrueuse, qui s'appelle la paillasse des morts. Il y a beaucoup de gamines qui meurent, notamment là-bas de tuberculose. Et le cadavre est placé dans un cachot sur une paillasse plastifiée. La paille est plastifiée. Le temps, une journée, une nuit, le temps de partir se faire inhumer, si j'ose dire. Et l'idée, c'est de faire coucher, une fois le cadavre parti, hein, soyons précis, la fille dans le cachot sur la paillasse des morts. C'est quand même très tordu. Le président du tribunal dira, c'est pas le plus douloureux, mais pour moi c'est le plus grave. Et puis même en ce qui concerne les morts, quand une gamine est mourante, on réunit les autres autour d'elle et on lui demande, une fois la bonne sœur dit à la mourante, quand tu vas arriver là-haut, tu diras qu'une telle et une telle, elles se tiennent pas bien. Hein, et que si elles continuent, on va les rappeler aussi. Mais, bon, donc des choses quand même assez effrayantes. Et j'en passe, il y a des choses. Croix de langue, crucifixion, oui, il y a même des crucifixions, paillasse des morts, la bouse de vache aussi, oui, comme il y a des vaches, on applique de la bouse de vache sur le visage. C'est une punition. On va à un moment donné, la sœur Tapdur va. Elle le reconnaîtra, ça d'ailleurs. Elle reconnaît un certain nombre de choses. Elle va. Comment dire, broyer des escargots dans la main et embarbouiller la gamine. Ce qui va aboutir à des blessures d'ailleurs, puisqu'il y a les coques qui sont cassées, etc. etc. Voilà, bon. Dernier point, la faim. Alors, je ne sais plus où j'en suis avec mes photos.
Ah, bah tiens, vous voyez. Alors, ça s'est passé dans un journal qui s'appelait La Touraine Magazine, il y a quelques années, où on voit, alors c'est une caricature, hein, bien sûr, où on voit, tiens, vous voyez, j'aime pas parler de ça, ce qu'on appelle la discipline. La discipline, c'est la manière dont on appelle la corde à nœud. Oui, la corde à nœud. Donc on fouette avec la corde à nœud, avec la discipline. C'est bon. Alors je reviens à mes traits, et voilà, on l'a reconnu, Jean Genet. Jean Genet, c'est un personnage assez extraordinaire, il va être à mes traits un peu plus de 3 ans, entre 26 et 29, si je ne me trompe pas. Alors, il faut savoir, j'ai invité à mes traits, et je vais être obligé de le décaler d'un an parce qu'il n'était pas libre, le biographe de Jean Genet, qui s'appelle Albert Dichy, qui est un Parisien et qui s'est spécialisé dans la biographie de Jean Genet. Et je lui ai demandé, il y a quelques mois, comment voulez-vous intituler votre intervention? Et il m'a dit, on pourrait l'appeler Jean Genet de Maitrey à la Pléiade, le parcours inattendu d'un délinquant écrivain. Parce qu'il est quand même publié dans la Pléiade aujourd'hui. C'est quand même une reconnaissance. Or, Jean Genet est un personnage intéressant. Je le connaissais, mais je ne l'avais jamais lu. Donc, quand j'ai écrit ce livre, je me suis dit, il faut que je lise Genet. Il y a un livre qui s'appelle « Miracle de la rose », où il raconte sous une forme romancée. C'est un roman, donc tout n'y est pas vrai. Il y a des choses qu'il invente. Mais il raconte son séjour à Maitrey. Et je me suis dit, en abordant ce livre, bon, Genet, on le sait, c'était un homosexuel qui prônait l'homosexualité à l'époque, qui prônait sa passion pour les assassins, qui glorifiait les assassins. Il avait une mentalité un peu particulière, faut dire ce qui est. Et j'y suis allé en me disant, ouais, bon, ça va peut-être être un peu scatologique, un peu difficile, un peu particulier. C'est une merveille. En toute honnêteté, le style français est magnifique, c'est poétique, c'est beau. Même quand il évoque ce qu'il appelle ses amours adolescentes, à l'époque, à Maitrey, c'est fait avec beaucoup de délicatesse et c'est brillant. C'est pas pour rien qu'il est celui qui l'a reconnu le premier dans la littérature, dans le monde littéraire français, c'est Jean Cocteau. Bon, on peut l'expliquer, mais il n'y a pas que ça. Il y a un style aussi qui est extrêmement important. Alors, si vous lisez Miracle de la Rose, vous saurez que il vous dira qu'il est allé à Fontevraud, par exemple. C'est pas vrai. Il n'y est jamais allé. Bon, ce qui est vrai, c'est qu'il est arrivé à Maitrey parce que, bon, c'était... Il a été orphelin de parents très jeunes, Jean Genet. Il a été placé dans une famille d'accueil dans le Morvan, qui était une bonne famille. Mais dès l'âge de 10 ans, il s'est découvert une envie de délinquance, de vol, de chapardage, de tout ce que vous voulez. C'était comme ça. Donc il est passé dans un certain nombre de prisons et il s'est fait prendre pour venir à Maitrey pour voyager dans le train sans billets. Vous voyez, c'était comme on allait à Maitrey pour pas grand-chose. Enfin, ça paraît pas extraordinaire. Et alors c'est un personnage curieux parce qu'il est, paraît-il, je ne sais pas si c'est vrai, mais on raconte qu'il est revenu à Maitrey, alors après la Deuxième Guerre mondiale, après la fermeture de la colonie, où il voulait revoir les lieux, et les responsables de l'association à l'époque n'ont pas voulu le laisser rentrer. Bon. Donc il s'est installé, semble-t-il, il y avait un hôtel sur la route qui donnait, avec une chambre qui donnait sur toute l'entrée, la belle entrée de Platane, la belle allée de Platane qui va vers la chapelle. Il s'est installé là une huitaine de jours à observer et sans doute à revivre son passé. Donc je ne sais pas si l'histoire est vraie. Ce qui est vrai, c'est que l'hôtel qu'on appelait à l'époque l'hôtel de la colonie a été construit par De Metz, par l'initiative de De Metz, pour recevoir tous les hôtes nationaux, internationaux, MacMahon, président de la République et compagnie, descendaient à l'hôtel de la colonie, qui faisait partie pratiquement intégrante de la colonie. Voilà. Ah, voilà, alors là on arrive à la fin de la colonie. Je ne sais pas si vous connaissez un grand reporter qui est très connu, qui s'appelle Albert Londres. Donc, voilà, Albert Londres, grand reporter des années 20, qui va être à l'origine, moi je le connais presque par cœur, j'ai presque tout lu d'Albert Londres, j'adore cette façon d'écrire, et notamment son reportage sur le bagne de Guyane, puisque c'est un beau jour Albert Londres, à l'idée, se dit, mais tout ce qu'on raconte ici
C'est des bobards, hein, ils sont pas sous les cocotiers, c'est pas merveilleux, je vais aller voir. Il demande au journal Le Parisien de l'envoyer là-bas. Et il ramène un reportage qui est hallucinant de ce qui se passe au bagne de Guyane, et ça va être la première pierre à l'édifice qui va aboutir à la fermeture du bagne de Guyane. Ça a été son combat. Eh bien, Alexis Danan, c'est le pendant d'Albert Londres pour les bagnes d'enfants. Alexis Danan est un grand reporter aussi, qui va prendre en ligne de mire les bagnes d'enfants, parce qu'il y a à cette époque-là, je dis l'époque, on est entre les deux guerres, notamment des scandales terribles. Vous avez l'île du Levant, dans le sud, où des colons, les conditions sont tellement dures que les colons font brûler les bâtiments, que l'armée arrive, va tuer une quinzaine de colons à coups de fusil, enfin ça se passe d'une manière épouvantable. Vous avez des émeutes un petit peu partout qui se produisent, notamment à Belle-Île-en-Mer aussi, où là il y a des, paraît-il, des cachots d'une humidité qui sont absolument monstrueux. Donc Danan se bat contre tout ça, mais il prend quand même plus particulièrement Maitrey en ligne de mire, parce que Maitrey est le symbole de ces colonies agricoles. Et c'est vrai qu'à l'époque, il faut le reconnaître, Danan est un homme extraordinaire, il avait mille fois raison, c'est devenu l'enfer. C'est-à-dire qu'on est dans le tout disciplinaire, on a des anciens de 14, il va les dénoncer publiquement dans les colonnes, nommément. Hein, Guépin, Bienvaux, il donne les noms, ce sont les assassins, ils ont tué des enfants. C'est indiscutable, on a des exemples, on le sait, à coups de sabot, à tout ce que vous voulez, il y a des meurtres de gamins, si vous voulez. Alors, on sait aussi, si je suis trop long, vous me dites, hein, parce que je suis assez bavard, on sait aussi que, je disais tout à l'heure que pendant la période de Metz, il n'y a pas d'évasion. Pendant la période noire, on a une évasion tous les deux jours. Tous les deux jours. Et ce qui est intéressant, c'est que ça crée une espèce de psychose dans tout l'entourage, les fermes, les campagnes autour, le colon est devenu le gamin qui terrorise. Alors, c'est vrai qu'il y a des raisons pour ça, on a un certain nombre d'exemples. J'ai retrouvé par exemple, moi, un dossier qui m'intéressait parce que j'ai écrit un livre sur les crimes en Touraine, où trois colons vont s'échapper, vont arriver chez un vieux fermier qui a plus de 70 ans, qui va les reconnaître tout de suite, enfin qui va identifier que c'est des colons parce qu'ils ont les sabots, il y a un numéro sur les sabots, donc c'est pas très difficile, ils sont rasés, pas très difficile, mais c'est un brave homme, il les nourrit, et il leur propose de passer la nuit, et le lendemain matin, il le massacre. Bon. Donc affaire d'assises, où je retrouve d'ailleurs le nom de mon grand-père pour défendre un des trois colons, ça m'a fait quelque chose. Donc il y a un certain nombre d'exemples comme ça. Alors les évasions, les femmes sont ingénieuses finalement. C'est une femme qui a l'idée suivante. Le colon, quand il s'évade, il a ce costume de colon. Il est repérable facilement. Donc le premier souci, c'est comme le bagnard rayé, il faut se changer. Donc on laisse traîner sur un fil de linge devant la ferme une veste, un pantalon. Mais on met une petite clochette au bout. Donc on est alerté. Donc on peut arrêter le gamin, parce qu'il faut savoir quand même qu'à l'époque, ça vous le trouverez dans mon livre, il y a des fiches dès qu'il y a une évasion, il y a des fiches de recherche avec la description du gamin et avec le prix de la prime qui va être payée à celui qui le ramène. Il n'y a pas mort ou vif hein, comme au Far West, mais on n'en est pas très loin. Il y a eu d'ailleurs, de ce fait, beaucoup d'excès. Je ne sais pas si vous connaissez, mais Jacques Prévert a écrit, c'était pas à propos de Maitrey, c'était à propos de Belle-Île-en-Mer, je crois, un poème qui s'appelle La chasse à l'enfant. Donc, où il décrit effectivement, d'une manière très imagée, et avec le talent qu'il avait, cette espèce de partie de chasse. Et ces parties de chasse-là se sont parfois terminées dramatiquement avec la mort des gamins, si vous voulez. Bon, donc on est vraiment dans une période noire tout à fait épouvantable. Alors, Alexis Danan, il va arriver à ce qu'en 1937, on n'alimente plus, il n'y a pas de décision de fermeture officielle, mais on n'alimente plus, c'est fini, Maitrey. Donc en 1937, Maitrey s'arrête, la colonie s'arrête. Le refuge. Alors, attendez, j'ai peut-être encore une photo là, je sais pas. Ah oui, l'affaire du... Bah, c'est ça, le refuge.
La bonne sœur, et c'est un avocat, j'aime bien la position d'avocat, c'est pas très flatteur, je trouve, mais bon. Hein? Décontracté. Alors, c'est pas le cas de la condamnée. Maîtresse n'arrive pas en premier. On a quand même quelques petits scandales moins importants. Maîtresse, pardon, le refuge, excusez-moi. Quelques petits scandales dans les bons pasteurs. Il y a le bon pasteur de Nancy, il y a le bon pasteur d'Annonay, en Ardèche, qui vont avoir quelques scandales, des procès, mais qui vont rester des procès civils en dommages-intérêts pour des sévices, des préjudices qui ont été causés. Donc on va commencer à en parler. À Tours, c'est autre chose. À Tours, on est en octobre 1902. Une lettre d'un sieur Aubry, qui a épousé une demoiselle, je ne sais plus comment, mais qui va devenir Madame Aubry. Et la nouvelle épouse va raconter sans doute sur l'oreiller à son mari ce qu'elle a pu subir au couvent du refuge. Et le mari, indigné, envoie une lettre au maire de Tours, qui la prend au sérieux et qui la transmet au procureur de la République. Voilà, c'est le démarrage, le procureur de la République prend très au sérieux, désigne un juge d'instruction et va sur place d'ailleurs avec le commissaire de police, il va faire deux visites sur place et c'est le début d'une polémique énorme. C'est pour ça qu'il est intéressant ce procès, si vous voulez, parce que on est en 1903. Souvenez-vous qu'en 1905, c'est la loi de séparation des églises et de l'État. Donc on est dans une polémique, mais une polémique est le mot trop faible, une guerre entre les cléricaux et les républicains. Pendant le procès, on va se ficher sur la figure, place du Palais, pendant 3 jours. Les deux clans se battent. C'est quand même important de s'en souvenir. Et le juge d'instruction commence à travailler, va entendre mademoiselle, enfin madame Aubry, va entendre une autre, puis comme toujours, ben, une première plainte, puis les autres n'ont pas osé parler, alors, ah ben s'il y en a une qui s'est décidée, il y en a deux, il y en a trois, il y en a 10, il y en a 20, etc. Comme ça qu'on arrivera à la petite Angèle dont je parlais tout à l'heure. Et on inculpait à l'époque la sœur Tabdur et deux demi-nonnes qui vont être poursuivies également devant un tribunal correctionnel. Et on arrive en juin 1903 à un procès correctionnel qui va se tenir non pas dans la salle correctionnelle du palais de justice, pour ceux qui connaissent l'intérieur du palais, mais dans la salle d'assises, parce que la salle est plus grande, et que ce procès est tellement retentissant qu'il va attirer beaucoup de monde, et beaucoup de presse aussi, parce que vous avez comme toujours dans ces moments-là, à cette époque, un conflit de presse terrible. Vous avez l'aurore de M. Clémenceau, républicain à mort et anticlérical à mort, qui va se déchaîner. Vous avez la Croix de l'autre côté. En Touraine, vous avez la Dépêche et l'Union libérale qui sont très républicains, mais vous avez le Messager qui est de l'autre côté très, très, très catholique. Et on s'envoie les pires choses. Les pires choses à l'époque. Alors, ce procès a lieu. Je vous dis pas tout, je vous dis une chose quand même qui me paraît importante, si ça vous intéresse. L'année dernière, j'ai, avec un ami acteur et metteur en scène, fait la reconstitution théâtrale d'un procès célèbre à Tours, 1870, le procès de Bonaparte, Prince Bonaparte. Donc on était une équipe d'une trentaine d'acteurs, j'étais président de la Haute Cour de Justice, et je me suis dit, bon, on a là un deuxième procès historique, local, polémique, extrêmement passionné, faut qu'on le fasse. Donc nous allons bâtir, ça y est, j'ai écrit le scénario, on fait les premières répétitions mardi prochain pour ne rien vous cacher, on a constitué avec le vivier qu'on avait une quinzaine d'acteurs, et on va à nouveau, comme pour Bonaparte, le reconstituer, entre autres, parce qu'on ira dans plusieurs salles dans le département, mais entre autres, dans la salle où il a vraiment eu lieu, c'est-à-dire la salle des assises, qui est quand même assez extraordinaire. Alors ça sera moins truculent que le procès Bonaparte, c'est vrai, ça sera plus sensible, mais ça va être, à mon sens, assez passionnant à faire et sans doute à voir aussi. Donc voilà, fin juin 1903, bon, je peux vous le dire, c'est pas un secret, la religieuse va être... Alors les deux demi-nonnes vont être relaxées. On dira qu'elles ont agi sur ordre et qu'elles n'ont plus rien leur reprocher, ce qui n'est pas forcément faux parce qu'elles étaient à moitié débiles. Mais la sœur Tabdur va être condamnée à 2 mois de prison ferme.
Alors voilà, on dit toujours ça, c'est tout. C'est symbolique, si vous voulez. Envoyer une religieuse en prison, c'est quand même pas tous les matins. Alors, 6, 8, 3, 4, 2, on s'en fout un peu. Ce qui est important, c'est le fait, alors que le bâtonnier de Tours qui la défendait, qui était très clérical et très monarchiste, et que j'incarnerai dans le procès, qui s'appelait Polyeucte Berlier de Vauplane, qui était un grand avocat, plaidait l'acquittement. Bon. Donc, elle est condamnée à 2 mois de prison ferme, et si aujourd'hui, quelqu'un qui est condamné à 2 mois de prison ferme, on peut être sûr qu'il ne les fera pas, j'ai le registre d'écrou, j'ai mis dans mon livre, elle les a fait jour pour jour. Bon. Donc, ça peut paraître relativement peu, à chaque fois que j'annonce ça, j'ai la même réaction, mais non, c'est symbolique, c'est important, il fallait qu'elle soit condamnée, et puis, encore une fois, une bonne sœur qui franchit les murs de la prison, c'est quand même assez extraordinaire. Donc ça a fait beaucoup de bruit, et puis ça a débouché surtout, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, et c'était la volonté de toute la colonie républicaine menée par Clémenceau, sur la fermeture du couvent. C'est ça qu'ils voulaient, parce qu'il faut savoir que le jugement qui est du mois de juin est frappé d'appel par la sœur, que ça vient devant la cour d'appel en décembre, que la cour d'appel confirme intégralement la peine, mais rajoute dans ses attendus un attendu qui laisse à penser qu'il existe derrière une responsabilité collective. Ah, c'est bien joli de taper sur un numéro. Moi, j'avoue que dans mes recherches, j'ai trouvé 2-3 braves bonnes sœurs qui auraient peut-être pu aussi y passer un peu. Peut-être avec un peu moins de sadisme, elles n'avaient pas la classe des pénitentes qui étaient les plus dures, etc. Mais quand même, qui n'étaient pas blanches. Voilà. Bon, donc on va aboutir à la fermeture et à ce que je disais tout à l'heure, la vente du couvent aux francs-maçons. Alors, petit détail, mais qui quand même est important à le dire parce que ça m'a foutu en colère. Quand je travaille sur le livre historique, alors il faut savoir une chose, c'est que la sténographie existe à l'époque. Déjà pour le procès Bonaparte 1870, il y a la sténo. Donc en 1903, on a la sténo et toutes ces notes de sténo sont utilisées pour faire un livre. Et dès le mois suivant le procès, une association qui s'appelle la Ligue des droits de l'homme d'Indre-et-Loire va sortir un petit livre que vous trouverez aux archives qui reproduit le procès. Il y a 250 pages avec une préface de M. Clémenceau qui est d'une violence anticléricale épouvantable. Bon, c'est son droit. Et puis vous avez tout. Pas tout. Vous avez les témoins, les experts, les médecins, vous avez l'avocat de la partie civile, un ténor parisien qui est venu pour défendre Angèle. Vous avez le procureur, et puis vous passez au jugement. C'est-à-dire que l'avocat de la défense disparaît. Alors, j'ai un peu grogné dans mon livre, parce que je trouve que quand on s'appelle la Ligue des droits de l'homme, faire si peu de cas des droits de la défense, ça me paraît quand même assez choquant. Alors, au-delà de ce côté choquant, j'étais un petit peu ennuyé pour écrire mon livre, parce qu'il me manquait un élément très important. Et je suis complètement idiot, je me suis dit, tiens, il était quand même très calotin, notre ami Berlier de Vauplane. Je vais aller voir aux archives diocésaines. Et aux archives diocésaines, il y a 40 pages, dactylographiées, sa plaidoirie. Il l'avait déposée aux archives diocésaines, donc j'ai pu la retrouver. Voilà, c'est assez amusant. Alors, je vais en avoir terminé. Il y a un tout dernier chapitre que j'appelle bêtement l'après-fin. L'après-fin, après la fin. Pour le refuge, il n'y a pas grand-chose à dire sur l'après-fin, si ce n'est que on a un peu recherché. J'avais envie de savoir dans mon livre ce qu'était devenu Angèle, ce qu'était devenu la sœur Tapedur après tout ça. Bon, elle n'avait pas le même âge. Angèle, on l'a effectivement. J'ai retrouvé des éléments qui permettent de savoir qu'elle s'est mariée par la suite, je crois en 1910, mais que malheureusement son mari est mort en 1915. Et ensuite, j'ai perdu effectivement sa trace. Et la sœur, j'ai retrouvé un petit peu une trace effectivement aussi, parce que lorsque le couvent a été vendu, il y avait un administrateur qui a récupéré le prix de vente, qui était une somme assez coquette, je ne sais plus si c'est pas, je sais plus combien, 45 000 francs de l'époque. 45 000 francs de l'époque, c'était pas rien. Et le ministère de l'Intérieur lui a demandé
de rechercher s'il y avait des anciennes religieuses dans une situation de besoin, parce qu'elles pourraient solliciter une pension à hauteur de ce qu'il y avait, du produit de cette vente. Et c'est par ce biais-là que j'ai retrouvé des lettres qui m'ont permis de savoir, 10 ans plus tard, que la fameuse sœur était en mauvaise santé, premièrement. Donc je pense qu'elle n'est pas allée très loin derrière. Elle s'approchait de, à cette époque-là, de 70 ans, ce qui était un âge très avancé à l'époque quand même. Et dans un refuge du côté de Lyon, donc elle a dû finir sa vie d'une manière sans doute un peu triste. Alors, en revanche, la colonie, c'est beaucoup plus gai, l'après-fin. Parce que ça ferme en 1937, je vous l'ai dit. Bon, arrive la guerre. L'armée française va occuper les lieux pendant quelques temps. Et puis quand l'armée allemande, l'armée française arrive, l'armée française se sauve. Donc c'est l'armée allemande qui va occuper les lieux à la suite. Et vous verrez d'ailleurs une photo amusante dans mon livre de Pierre Mondès France, qui, jeune lieutenant, a occupé la colonie avec l'armée française. Hein. Et puis, à la fin de la guerre, il n'y a plus rien. Ça tombe complètement en déshérence. Il y a des pourparlers qui démarrent avec l'association des orphelins d'Auteuil pour voir ce qu'on peut faire, mais ça ne va pas aboutir pour des raisons de statut qui ne sont pas compatibles. Et puis arrive un homme remarquable. Le nom vous dira peut-être quelque chose, qui est un pédiatre de Tours, qui s'appelle le professeur Pierre Boulard. Hein? Et Pierre Boulard, avec lui d'ailleurs un psychiatre connu aussi qui était Cizaret, le professeur Cizaret, et Pierre Boulard en tête va dire faut faire quelque chose. Donc il va créer un IMPRO, un institut médico-professionnel. Donc là on n'est plus du tout en présence de gamins délinquants, on est en présence de gamins avec des problèmes psychiques, beaucoup plus. Ça a été longtemps un IMPRO, c'est devenu un ITEP. Alors un institut technique d'enseignement, je ne sais plus quoi, technique. Professionnel ou quelque chose comme ça. Et c'est toujours ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, Maitrey, qu'on appelle le village des jeunes, qui a changé de nom parce qu'il y a 3 ans, on a eu un nouveau président que j'aime beaucoup, qui m'a embarqué dans l'histoire de Maitrey, je suis devenu administrateur, qui a voulu moderniser un peu tout ça. Jusqu'à il y a 3 ans, ça s'appelait l'association La Paternelle. Bon, alors il a dit La Paternelle, c'est peut-être un peu vieillot quand même, c'est plus tout à fait d'actualité. Donc on a appelé, il l'a baptisé l'association Atouts et Perspectives, avec cette idée de ne plus seulement se consacrer aux jeunes, mais aussi aux gens en difficulté, plus âgés. À l'heure actuelle, il y a 2 bâtiments qui sont prévus pour accueillir des réfugiés ukrainiens. Donc voilà, une vocation un peu plus large, mais on a toujours une centaine de gamins qui sont en formation. Alors on a construit des bâtiments modernes, avec des ateliers modernes, des métiers d'aujourd'hui, bien sûr. Et on est revenu, c'est ça qui m'a séduit, si vous voulez, dans cette idée de départ très belle, de venir en aide aux jeunes en difficulté. Et c'est vrai que quand on m'a proposé, moi qui cherchais des lieux, ça fait quelques années que j'organise un colloque, j'organise un salon du livre à droite à gauche, on ne manque pas de château dans le coin, donc on peut le faire dans les châteaux. Et là on me propose un lieu qui est quand même historique, extraordinaire. Et je suis donc devenu administrateur et en charge de faire vivre culturellement les lieux. C'est comme ça que, pour ça que je vous ai donné des documents pour vous donner une petite idée de ce que j'organise, vous inviter à y venir bien sûr. On a cette chapelle. Alors la chapelle, pour l'instant, elle nous pose un petit problème parce qu'il y a des normes draconiennes pour accueillir du public. Donc on n'est pas encore tout à fait aux normes, les travaux sont programmés, on va faire des travaux en fin 2022, début 2023, pour pouvoir officiellement accueillir du public. On a fait quelques petites entorses, on a fait 2-3 petits trucs, j'ai fait une conférence, bon, mais faut quand même faire attention. Bon. Mais on a une autre salle, on a une salle moderne dans le bâtiment moderne, une salle polyvalente où on peut faire des choses. Mais cette chapelle, elle est historiquement extraordinaire. Moi j'avoue qu'en octobre 2019, j'ai commencé, parce qu'il faut toujours essuyer les plâtres, à faire une conférence pour présenter mon livre. Il y avait 150 personnes dans cette chapelle. C'était un bonheur. Enfin, on imagine tout ce qu'elle a pu entendre
dans son histoire et la faire revivre dans ces conditions-là, c'est un vrai plaisir. Voilà, je crois que j'ai assez parlé. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition.